Summer, vous allez bien? Il dit, encore une fois, on part à Thetford, ça va faire une couple de fois qu'on y va, parce qu'on veut vraiment vous faire vivre une belle expérience, vraiment comment que nous on l'a vécu, parce que c'est vraiment un endroit à découvrir. Fait que, sans plus attendre, on va se diriger vers Beau Lac Garvey pour commencer. Ensuite, on va aller où? Ouais, être à Disraeli à Marina, puis après ça, direction Thetford. Ouh! Fait que, suivez-nous, à tantôt! Bye bye! Rendu à Beau Lac Garvey. C'est toute beauté, vraiment. C'est magnifique. On part de Beau Lac. Direction Disraeli. Bateau. Qu'est-ce que tu veux faire à Disraeli? Bateau. Ici à la marina de Disraeli, il y a 88 pieds de disponibles. Donc, il y a de la place en masse pour vos bateaux. Présentons au belvédère de la mine British Canadian dans le secteur Black Lake de Thetford. Ce bel endroit-là nous permet justement de voir des bassins d'eau bleue, mais relativement à l'histoire de toute cette mine-là, écoutez, la découverte du chrysotile 1876. Par la suite, dans les années 1880, une mine commence quelque part dans la montagne là-bas, la mine Irving Upper. Et imaginez-vous qu'il y a des petits villages, parce que les mineurs construisent leurs maisons à proximité de leur lieu de travail. Donc, on a trois petits villages qui se construisent et beaucoup d'immigrés qui étaient dans la montagne. Dans ce coin-là, oui. Donc, les fondations ne sont pas nécessairement là. Ouais. On parle beaucoup de Polonais, d'Ukrainiens. Puis, toutes ces maisons-là, lorsque la mine s'agrandissait, le puits s'agrandissait, la majorité de ces maisons-là ont été relocalisées ici, c'est ça, dans les premières rues du quartier, c'est-à-dire du secteur de Black Lake. Mais on ne les voit pas. On les voit, on les voit. Sont la rue un petit peu plus basse. Okay, là, on sont les voit encore pas. Là. Ils sont encore là, oui. Habités. Ils ont été ils ont été restaurés. Il y en a combien de puits à cette ferme? Écoutez, à un moment donné, on a celui-là ici, la British Canadian. On a celui de la Lake Asbestos, qui était l'arbre chrysotile à la toute. Après ça, vous avez un petit peu plus loin la Flint Coat. Après ça, on a dans le coin de East Broughton, on a la Carey, on a la mine Boston. Mais c'est parce qu'il faut dire aussi qu'il y a plusieurs mines qui ont fusionné à un moment donné. Donc, on disait la King, on disait la Beaver, mais à un moment donné, c'est devenu la King Beaver. Comme ici, tu as BC1, BC2. Effectivement, tu as deux puits ici, oui. British Canadian BC. Bien souvent, les gens disent BC. Ça a débuté, je vais sortir mes petites notes si vous le permettez. Ça a débuté en 1908 officiellement, le nom de la mine ici. La fermeture s'est faite en 1997. Il faut dire que c'est pas très loin encore. Ça fait pas tellement longtemps, mais la raison principale, c'est que la demande sur le marché mondial de l'amiante commençait à décliner. Et puis, on ne pouvait pas concurrencer au point de vue du prix de vente de l'amiante. Okay. Alors, on a fermé la mine
on parle d'à peu près 200 emplois perdus. Puis automatiquement, qu'est-ce qui arrive? On arrête de pomper. La mine, le puits se remplit d'une belle eau claire. Donc, c'est de l'eau de pluie. C'est de l'eau de source, donc la nappe phréatique. Et il faut dire aussi qu'il y a des roches de magnésium dans le fond de l'eau. Alors, ce type de roche-là, la lumière solaire, ça vous donne une petite coloration bleue, turquoise. On se croirait dans les Caraïbes, sauf qu'il manque des palmiers. Tout à fait. Donc, il faut mentionner que ce belvédère-là ici, bon, c'est accessible en tout temps, c'est gratuit. On a une superbe vue de ce côté-ci sur le puits de la mine BC et de l'autre côté sur le secteur de Black Lake. Donc, on aperçoit l'église et les halles. Tout près de la 112. Tout près de la 112, qui est malheureusement coupée, mais on est quand même tout près de la 112. En plus des panneaux d'interprétation, bien justement, pour les gens qui viennent, qui ne connaissent pas trop l'histoire du coin, bien, les panneaux d'interprétation expliquent justement de ce côté-ci la mine, les petits villages qu'il y avait dans la montagne et de l'autre côté la vue superbe que l'on a. Mais dis-moi, on voit le chemin, là. Est-ce qu'il y a toujours. Non, malheureusement, non. Ce sont les chemins miniers. Donc, à l'occasion, peut-être voir des camions circuler, c'est très rare pour aller chercher soit du concassé, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment là, accessible. Mais c'est pas une opération, non, pas du tout, du tout. C'est quelle profondeur? La profondeur, depuis que la mine a fermé en 97, on parle d'à peu près 400 à 450 pieds d'eau. À peu près. Magasin général O'Brien, qui est un des éléments de la Société du patrimoine de Tufferne Mine. Donc, qu'est-ce que vous offriez ici au magasin? Nous, c'est une visite guidée. Donc, c'est les objets de la Société, c'est les objets que les gens ont voulu conserver et qui nous ont donnés. Nous autres, c'est des dons qu'on récupère. Okay, wow. Et ces objets-là, ben, on les garde ici. Nous autres, on n'est pas des antiquaires, on n'est pas. On est une espèce de musée, mais centre d'interprétation. Et on permet aux gens tout simplement de venir voir une visite guidée qui peut durer une heure. Tout ce qui est ici, c'est à conserver. Donc, les gens nous donnent pour qu'on les conserve, pour que les gens puissent voir. Et souvent, ben, les écoles peuvent venir, les groupes d'âge d'or peuvent venir, les gens avec leur famille peuvent venir. Ça tombe bien parce qu'on est juste à côté du belvédère, donc ils peuvent passer tout de suite après ou avant. Donc, ça fait une belle visite. Aucun problème. Puis c'est dans le même secteur. Puis on aimerait ça que le secteur ici se développe davantage. Ouais, pour pouvoir permettre d'avoir un ensemble qui permettrait d'avoir vos visiteurs, tant qu'à se déplacer, d'avoir plusieurs choses de visiter en même temps. Donc, on garde un peu le suspense pour qu'ils viennent s'il voir, vous plaît. Qu'ils viennent on aimerait ça. Puis quand ils vont venir, ben, ça va être parce que là, on travaille encore, puis on a travaillé beaucoup, là, ça fait déjà un an. Puis avec le confinement, ben, tout le reste, là, on a retardé un petit peu, mais on travaille là-dessus pour que ça aille bien. Les heures d'ouverture, normalement, c'est le matin de 10h aller jusqu'à 5h. Et ça va se faire du mercredi à lundi. Choppers, fly at 'em like choppers, choppers. Better cook those wrists, cold butter my fist. We fire starters, starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Not one, never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise, rise. On est où présentement? On est présentement au lac d'Amiante, plus connu, le terme exact ou le nom exact de la mine, c'est lac chrysotide opération Black Lake. Là, vous voyez un beau bassin d'eau bleue. Essayez d'imaginer dans les années avant que l'on pompe l'eau, tout ça. On recule là, en 1955. C'est un petit lac, ça s'appelait le lac Noir. C'est à peu près 49 pieds d'eau, un bon 30 mètres debout. Alors, suite justement des forages, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'amiante. On décide de vider le lac Noir. Vider le lac Noir, là, ça a pris 4 ans, 1955 à 1959. Il y a une barge qui s'appelle Fleur de Lys qui évacue l'eau via la rivière Bécancour qui passe à proximité d'ici. Alors, toute cette eau-là, puis une bonne partie de la boue, ça s'en va dans la rivière Bécancour jusque dans le coin de Saint-Ferdinand, dans le lac William.
Donc, il est à une À peu près une demi-heure de route, effectivement. Alors, essayez d'imaginer, une fois que le lac asséché, on commence l'exploitation minière. Donc, ça va super bien. Aller jusqu'en 2011, l'effondrement de la route 112 fait en sorte que les opérations cessent. Ouais. Mais encore là, comme on a mentionné pour la mine British Canadian, le marché mondial diminue. Donc, nécessairement, la demande, il y en a moins, la concurrence. Alors, on a cessé les opérations, effectivement, en 2011 ici. On voit là, encore là, la belle eau bleue turquoise. Ce qui est impressionnant, on voit un belvédère au fond là-bas. Ouais. Donc, à partir du belvédère, aller jusque dans le fond du puits, on dit à peu près 1125 pieds. Au point de vue de la dimension du puits, 2,1 km par 1,5, 1,7 km. Quand ça ne paraît pas si gros que ça, mais encore là, essayez d'imaginer, là, quand on faisait nos visites minières, on descendait à bord d'autobus jusque dans le fond du puits. Ça prenait à peu près une heure, hein? Oh, ça prenait une grosse... C'est parce qu'on prenait notre temps, on rencontrait des camionneurs, on klaxonnait. Rendu dans le fond du puits, on se stationnait à côté d'une pelle et on voyait le chargement du camion. Le fameux un coup, il y a de l'amiante, deux coups, il n'y en a pas. Ça fait tellement longtemps que je ne sais même pas si c'est l'inverse ou non. Mais c'était vraiment le signal là, qu'on entendait. Vous parlez du klaxon. Hein? Du klaxon, c'est ça que le camionneur de la paix, le chauffeur de la paix klaxonnait, puis le camionneur savait qu'il s'en allait soit déverser sur les algues ou s'en allait déverser au condensateur. On était avisé par CB, par radio, qui avait des fois un dynamitage. Ouais. Alors, soit on remontait, on avait le temps de remonter au belvédère, on s'installait, puis on voyait justement le dynamitage. Ça devait être spectaculaire. Oui, hein? Ça shakeait, ça dansait un petit peu, là. On voit passer des autos. Ok, ouais. Au bout là-bas, ouais. On voit pas. Mais on la voit pas au complet, là. On en voit des petits bouts. Non, on en voit des petits bouts, là, dedans. Parce que c'est l'autre bord. On voit juste le côté. Là-bas, ouais, c'est okay, ça, là-bas, vois, moi, c'est ça. Là. Ouais. Là-bas, ouais. On les voit. Ouais. Et c'est là qu'il aurait dû avoir un espace sécuritaire pour arrêter. Qui passe à proximité du puits, ça va super bien. Mais on peut pas s'arrêter. Donc, demandez-le. On a terminé notre visite. Oui. Merci beaucoup de ton temps, Denis. Ça m'a fait plaisir. C'est très apprécié. Alors, écoutez, moi, j'invite les gens à visionner justement ce beau reportage vidéo-là sur la région de Thetford. Puis merci. C'est moi qui vous remercie de la visibilité et de la publicité qu'on va avoir. Donc, effectivement, on a d'autres belles choses à vous montrer. Ouais. Alors, écoutez, vos bureaux. Vous voyez 2600 boulevard Frontenac West à Thetford Mines. Nous sommes ouverts à l'année. On est un bureau super, permanent. J'adore. Donc, l'été, c'est sûr, c'est la saison un peu plus idéale. On reçoit plus de visiteurs. Venez chercher notre carte région Thetford, la carte officielle qui vous indique quoi faire, où dormir, où manger, tout ce qu'on peut faire pour visiter. Vous voyez un petit peu
juste le stationnement ici présentement, la piste cyclable, elle passe à proximité de nos bureaux. Station de vidange qui est toujours fort appréciée, qui est gratuite, ouverte 24 heures sur 24. Alors, nos préposés durant l'été, présentement, nous, on a des extensions au point de vue des heures. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Parfait. Nous sommes ouverts de 8h30 jusqu'à 17h30 présentement. Et ça, le 7 jours, c'est jusqu'à la mi-octobre. Par la suite, le restant de l'année, du lundi au vendredi, on vous attend, on veut vous accueillir, on veut vous voir dans notre coin. On peut aussi vous retrouver sur le site internet. C'est www.tourismeregiontetford.com. On a une belle page Facebook également. Pour les événements, suivez-nous beaucoup sur Facebook. De ce temps-ci, avec le COVID, ça a un petit peu moins d'impact, le site Quoi faire. Donc, de façon, les réseaux sociaux, on est très présents. On va être encore plus présents avec votre aide. Super. Bien, encore un gros merci. Merci beaucoup. Venez nous voir. Oui. Merci. Assez plaisante, dans le fond, pour ceux, les amateurs de vieux bolides. Regardez. Mmh. Et de nouveau, qu'est-ce qui fait vroom vroom? Il y a une exposition au centre-ville de Tetford, normalement, chaque année, mais en plus, il y a aussi directement dans un parking. Wow! Parking quand les auteurs. Tout est vroom. Mercredi soir à 10h30. On va aller par un tour. On va remettre ça sur Slido. Ah, 351? Ouais. 106? 109. 109. Tu veux qu'il la frotte tout le temps? Ben oui, ben oui. Oh, ok, j'ai eu peur, tu me dis non, c'est ma femme. Non, 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 non. Elle frotte dans la maison. Ouais, c'est ça, hein? Elle frotte pas dans le garage. As-tu toujours été à vous? Oui, moi, ça fait 43, 44 ans, je le dis. Fait que là, vous allez la mettre à vendre? J'avais 24 ans quand je l'ai acheté. Ah oui? Crème est encore aussi belle? Non, mais là, je l'ai toute refaite. Ouais. Tout normal. Toute refaite. C'est une quelle année? 109. 109? Fait que si elle est à vendre, bien, vous Ils sont rares parce qu'on n'en voit pas. Ils sont rares, les 109. Go, tous les modèles sont 109. Si elle est à vendre, hein? Vous ouais. Direz? Il y a pas besoin de faire ça, c'est ça la valise.
l'avais quand on s'est marié, mais 47 ans, c'est 49 ans qu'on a. Et tous les économies. 49 ans. On dirait qu'il est là. Ici, à Tedford, c'est le fun de pouvoir dire qu'au moins, ils vous donnent l'autorisation de venir faire. Et pourquoi tous les mercredis? Tu juste pour jaser? Oui, ça a toujours été juste, ben, parce que d'autres soirs, il y a d'autres activités, je me dis. Ouais. Parce qu'à cause du stationnement de Canadian Tower, le jeudi, vendredi, il y a trop de monde. OK. Ça vient de magasiner. Donc, le mercredi, c'est plus tranquille. Puis là, ben, on a l'espace. Vous jasez entre vous autres, puis ça vous fait une petite activité. Ouais, ben, c'est le fun de voir ça. C'est... Un Thunderbird, un Thunderbird jaune, un Thunderbird bleu. C'est tout des Thunderbirds. Spécial, hein? Là-bas, c'est un 76, l'autre des années 90. Regarde, ça en vient, là, les années 90. C'est un roadrunner. Salut, Brainstormer. C'était vraiment une journée forte en émotions. Là, on se relaxe avec toutes les autos. Vous pouvez revoir. Très, 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 très joli. En direct. C'était juste à côté de où on a fait nos redonnées au suivant. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis on a vraiment hâte de pouvoir le refaire. Aidez-nous à vous aider. Continuez à nous suivre. Puis on pourrait dire que Ted Firm là, nous surprend à chaque fois qu'on vient. Il y a toujours des nouveautés, des nouvelles activités, des nouveaux endroits à visiter. Ça vaut vraiment la peine. Mais venez plusieurs journées parce que ouais. Ça l'épuise. on va vous dire, ça fait à peu près... ça fait une couple de temps qu'on vient ici, mais c'est toujours le fun de revenir à chaque fois. Notre suggestion du jour en ce moment, c'est dinde, pomme et cannelle. Rose beef, tu es correct? We've come so far, but it wasn't without a fight. We share these scars, but they won't keep us out of sight. We're all dreamers, dreaming of the good life, but there's nothing that nice on the cards for us. It's all right though, 'cause we can have. Ah, c'est une émotion, ça fait drôle de marcher ici. Dire que j'ai habité ici pendant 20 ans. Ça fait 10 ans que je suis jamais revenu ici. Ça fait ouais. Drôle. T'as regardé, c'est Noël. Pourquoi c'est Noël? C'est Noël, les décorations de Noël. Ah. Fais une cuisine à tête ferme. En tout cas, il y a le festival de la relève que les gens peuvent se promener tout le long ici, puis des orchestres plus loin. Les routes sont bloquées. Les routes sont bloquées, ouais. Activité. Boom! 615 ans de service. Wow! 615 ans? Ça veut dire vieille. C'est drôle, ça va être ça, faire de quoi que ça. La propriétaire, 115 ans. Ah, c'est des miennes, wishing, but you're running out of time. If I could only read your mind.
découvert un de ces lieux de paradis, une place que moi personnellement j'adore voyager. Ça me rappelait un peu quand j'étais allé à Banff en Alberta. C'était vraiment, ça m'a sorti complètement du Québec. Pourtant, je suis resté dedans le Québec. C'est à Tedford, ça s'appelle la Cage du Domaine. L'hôtel Cage du Domaine. Je le fais de la publicité parce que c'est vraiment une belle, belle, belle endroit. Ça m'a surpris sur toutes ces coutures, les activités qui sont présentes là. Ouais, t'as la plage à l'extérieur qui était aussi. Elle n'était pas là, mais ils l'ont construit avec l'hôtel. On peut aller se baigner sans nécessairement coucher à l'hôtel. Il y a un tarif relié à la journée. Avez-vous couché ici hier soir? Oui. Oui. Vous avez aimé? Oui, c'était beau. C'est beau, hein? Venez-vous de chier? Non, ok. Les gens, c'est un peu de temps. On vient plus voir, c'est nouveau aussi dans cette plateforme, fait qu'on vient voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. C'est agréable. Oui, c'est vraiment agréable. On a fait du kayak hier, c'est vraiment agréable. Le kayak, il y a aussi plusieurs activités, hein, je pense qu'il y a une escalade là-dedans. L'escalade? Wow. Il y a le mini-pot. Mini-pot? Ah, ouais, c'est là. Ouais. Il y a le kayak, le pendule, le spa n'est pas ouvert, hein, je pense. Le spa est ouvert. Ah, ils l'ont rouvert. Oui. Okay, parce que c'était fermé. Moi, je suis venue il y a deux semaines, tout était fermé. Okay. Ça commence. Ça commence, ça, c'est le fun. Ça fait du bien, hein? Ah oui, le moral. Bonne chance. Oh, ça va où? Là. Flintcope. C'est quoi? Nous sommes sur la rue Flintcope. La Flintcope. À 5 minutes de Robertsonville. Tedford, là. Wow. Et j'ai des surprises à tous les jours. Ouais. Je viens d'ici, puis je suis jamais venue ici. Wow! Wow. C'est quoi qu'il y a à voir dans l'eau? Ici, c'est plus pour prendre des cours. Donc, c'est plus okay, pour la formation. Pas... Ah, OK! Chose à voir, par exemple, il y a un autobus qui est calé là-bas. Hein? Il y a une cuisine à l'eau bout là-bas. Mais ah, ouais? À différents niveaux. Fait que c'est différents niveaux de cours. Puis est-ce qu'on sait pourquoi, tu sais, l'histoire de l'autobus? Puis... Non, en fait, ils ont mis ça là justement pour que ça soit plus attrayant à plonger. C'est quoi de descendre tout en même temps? S'il y en a qui reste 2 minutes en surface, ça change tout. Ben, il y en a, ils vont 2 minutes de descendre. Bon. Ça va? C'est cool? Tout le monde est prêt? Yep. On y va, on descend. Il y a deux niveaux de cours qui se donnent ici. Il y a Advanced qui est de ce côté ici. Puis il y a Débutant qui est de l'autre côté là-bas. Ta carrière ici, depuis 1971, je pense qu'elle est fermée. Et après ça, elle s'est remplie d'eau. Là, il y a, je ne sais pas exactement, en 90, je pense qu'ils ont commencé à faire de la plongée ici. À Québec, il y a 3 écoles de plongée. Après ça, il y a du monde de partout au Québec qui viennent ici là, pour donner des cours. Il y en a de Victoriaville, il y en a même de Montréal, parce que de ce temps-ci, là, c'est plus difficile. L'autre côté, ce qui arrive, c'est que c'était la descente des camions, donc ça descend tranquillement pas vite. Pour les débutants, c'est plus facile de l'autre côté. C'est plus lent. On y va à 30 pieds ou 40 pieds, ou dépendant là, du niveau de l'étudiant. Ben, c'est le fun de pouvoir avoir deux différents niveaux à un endroit. C'est... Oui, l'équipement, là, puis tout ça, les tanks et tout ça. Quelqu'un qui commence n'a pas besoin d'équipement, en fait. On lui prête tout l'équipement. Un masque, un tuba, c'est des choses qui sont plus personnelles. Là.
Ben, c'est inclus dans le cours. Les cours se font ici à tout ça? Les cours se font, il y a du cours théorique, il y a du cours en piscine et il y a la certification qu'on appelle ici à Tetford. Moi, je suis instructeur et ça fait 10 ans que je viens ici. Donc, j'ai environ 1500 plongées ici. Moi, je viens ici pour donner des cours. Ouais, c'est ouais. Ça. Mais je viens ici aussi pour le plaisir de venir ici là, quand je veux juste plonger pour plonger. Là, cette année, à cause du COVID, ils ont mis un maximum d'étudiants qu'on peut recevoir ici. Il faut appeler réservé à l'avance. Mais les années précédentes, c'était plein ici. Là. Ah ouais? De l'autre côté, là, des fois, il y a 50-60 étudiants qui vont prendre des cours. Là. Ils sont toutes la gang en même temps? Oui, faut que tu sois advanced. Faut que tu aies pris tes cours de open water qui est de l'autre côté, puis que tu aies fait un certain niveau, un certain nombre de plongées. Après ça, tu prends un autre cours qui s'appelle advanced. OK. Puis le advanced, un des cours advanced, c'est la plongée profonde, donc c'est à 80 pieds normalement. Là-dedans, t'as l'équipement, t'as les piscines, t'as la formation technique là, écrite, t'as eu des examens et tout ça. Donc normalement, c'est 4 soirs de théorie, 4 soirs de piscine, puis une certification de 2 jours ici. Très belle activité, vous êtes chanceux. Ouais. Ah oh, oui, j'aimerais ça faire ça. C'est ça? Ouais, ça va, c'est sûr. C'est ça qu'on est en train de discuter. Hein. Ouais, c'est 400 pièces, je pense, 400 pour commencer. Ouais. C'est des serveurs de café? Caco du matin. On a le troisième caco du matin. Ah, c'est là qu'il y a du ressorti. Hey, check ça, comment c'est hot? Les cristaux et tout. Si je l'ai eu, ça tout le monde. Lequel? Fais-toi. Fais-toi le monde? Ça serait bon de savoir c'est quoi un caco. Je trouvais qu'il c'est descendait. C'est calcium, aluminium, calcium, non, pas oxygène, 3 oxygènes. Tu sais que c'est le tableau c'est le tableau, comment il appelle ça, périodique? Certaines roches sont parfois composées d'un seul minéral. Nous distinguons 3 types de roches selon leur mode de formation. Chaque type de roche est un témoin de l'histoire de la Terre. Toutes les roches sont classifiées selon 3 modes de formation. La sédimentation, la... Il y a de l'or aussi. C'est quoi de l'or? C'est l'impact des astéroïdes sur la Terre. Dans le temps qu'il n'y avait rien sur la Terre. C'est ça, cette l'or? Ouais. 1800$. Sans suivi classique. Ça, c'est les punch.
vas-y. Oui, c'est à nous dire sur l'amiante. Sur l'amiante, mais bon, j'ai plein de choses. Qu'est-ce que vous voulez savoir? N'importe hein? quoi, sans quelque chose. Bien, si on la regarde, ici, ça va enlever le chrysotile. En fait, l'amiante, c'est le terme générique. C'est comme une grande, grande famille. Là. Puis le chrysotile, c'est la partie en haut, c'est ce qu'on retrouve à cette forme. Cette partie-là fibreuse qui paraît comme du cheveu. Si vous touchez vos cheveux, là, c'est la même affaire. C'est ce truc-là qu'on utilisait et qu'on pouvait tisser. Au début, c'était utilisé pour faire des vêtements pompiers puis des couvertures anti-feu. Des pare-feux. Oui, exactement. Ça, raison. Oui, exactement. Parce que ça retient la chaleur puis ça va garder sa forme jusqu'à 1700 degrés Celsius. T'sais, jusqu'à maintenant, il y en a un tissu qui peut ressembler à ça, mais il est jusqu'à 700 degrés Celsius. C'est assez incroyable là, comme minéral. Ouais. Puis alors, la partie en haut, c'est ça qu'on va utiliser. Jusqu'en 1950, c'est utilisé pour faire des tissus, beaucoup. Après ça, ça a été pour, suite à la Seconde Guerre mondiale, c'est la construction. On faisait un alliage entre l'amiante et le ciment. On appelait ça l'amiante-ciment, tout simplement. Ça a été utilisé beaucoup pour la construction de l'Europe, suite à la Seconde Guerre mondiale. La construction aussi dans la région ici, mais au Canada, aux États-Unis. Puis, tu sais, suite à ces années-là, dans les années 75, on s'est rendu compte que c'est cancérigène pour les poumons. Puis après ça, les États-Unis et l'Europe n'en voulaient absolument plus. C'était juste la petite poudre. C'est probablement oui. Qui rentrait. À part ça, si on le transforme pas, on est à l'abri, il n'y a pas rien qui peut rentrer. En fait, c'est quand on le transforme qu'on est le plus en sécurité. Pour vrai? Oui! Parce que comme ça, là, tu sais, nous, on peut pas l'enlever, là, ce truc-là, qui le protège, là. Hein? Si tu le respires comme ça, c'est dangereux. Si ça, quand ça sortait des mines souterraines, ouais. C'est humide, hein? C'est cette poussière-là qui était le plus dangereuse. Parce que cette poussière-là, là, elle est dangereuse, mais à un certain niveau. Tu sais, c'est les gens là, qui travaillaient sous terre, là, qui étaient constamment en contact c'est avec eux. Qui à 12 heures, 16 heures par jour. Ouais, exactement. Ça, c'était vraiment très dangereux. Ben, très dangereux. Parce qu'il respirait, parce qu'il maniait, par les manières, ouais. Ça faisait de la poussière. Ouais. C'est ça que je vous disais, c'est la poussière mouillée qui était vraiment très dangereuse. C'est ça que tu dis qu'après ça, c'est ouais. Plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire quand c'est transformé. Moi, ici au musée, le message est vraiment en ce qui a trait à la science des minéraux. Donc, quelles sont les propriétés relatives à ce minéral-là? Pourquoi est-ce qu'il était tant utile? Puis, c'est certain que c'est comme n'importe quoi, il y aurait fort probablement moyen de l'utiliser de façon sécuritaire. Oui, dans le passé, il y a eu la marijuana qu'on utilisait pour les cordes de bateau, pour le pétrole et ainsi de suite, puis ben, pour faire les peintures. Mais la problématique auquel on fait face en 2020, c'est que compte tenu qu'il y a eu le bannissement du chrysotile, il y a beaucoup de produits de remplacement qui sont venus prendre la première place sur le marché. Puis, refaire, dans le fond, exemple, des matériaux de construction en chrysotile, avec les normes de santé et sécurité que ça imposerait, ça ferait des matériaux extrêmement chers. Très durables, mais extrêmement chers à produire. Fait que le matériel de remplacement va perdurer, même si, ça c'est mon avis, le chrysotile pourrait reprendre certaines utilisations. Fait que si on parle à part de qu'est-ce qui est mine, puis qu'est-ce que la mine a apporté, côté touristique, c'est vraiment, on a découvert une région. Ouais. Elle vient ici, mais. Est-ce que je continue? Oui. Est-ce que j'ai des questions? Mais c'est le plein air, hein? Avec la tyrolienne qu'on vient d'apprendre qui va venir bientôt. Ben, moi, je suis le premier à l'essayer. On va revenir. Oh, oui. C'est ouais. Ben, déjà tout de nouveau. Puis... Oui. Normalement, on a trois lieux à visiter. On a le musée qui, lui, va aller plutôt dans le côté minéralogie, sciences, patrimoine minier. Le KB3 qui va réouvrir l'an prochain, qui est la Mine King, ça c'est l'extraction, donc les processus d'extraction, quelles étaient les conditions de travail. On est en train de creuser un tunnel. Le KB3, ça veut dire King Beaver Bell. Donc en résumé, c'est trois mines. Le chavalement a été restauré en 2016. Il y a deux autres bâtiments à visiter, soit le bâtiment de Vitreuil et le bâtiment de la Poire. Ça c'est un... On va voir l'évolution justement de l'extraction de minière sous terre dans comme en différentes étapes, dans les années 1910, 1930, wow. 1950, aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va voir l'évolution, comment on faisait pour soutenir là, les murs, tout ça, au lieu d'être du bois, ben, ça devient de l'acier. Fait qu'il y a enfin une histoire. Exactement. Pour qu'on puisse le vivre. Exactement. Et une dernière phase. La deuxième phase, c'est le tunnel. La troisième phase, on voit, c'est un parc muséologique. C'est un grand terme. Vous allez voir, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On voit des tas de roches, là, sont emprisonnées dans une broche. Ça va devenir des bancs. On va mettre de la verdure.
on a les camions de 100 tonnes. Qui ont été utilisés pour de vrai. Absolument. Pas juste des. On peut y aller, même on peut s'approcher si vous voulez, on peut aller voir à quoi ça ressemble. On y va. On va aller voir. C'était une drague qu'on appelait Fleur de Lys. Okay. Alors l'encre de cette drague-là est encore justement à Blacklay. Il reste sur place encore gros. La foreuse et une pelle électrique. Donc c'est pas compliqué. Venez ici là. Ben, on espère, on aimerait bien ça. Présentement, c'est ce que l'on dit. C'est mieux que rien présentement. Ça, c'est le godet qu'on retrouve qui sert à extraire la roche, à remplir le caveau. Dans le fond, on a accès à un promontoire en haut de la mine Lake. Okay. Là où est-ce que la 112 a tombé, ouais. C'est la compagnie Anglome qui, là c'est un grand mot qui est dur quand t'as plus de salive, la revégétalisation des algues qui nous donne accès au terrain. Puis là on voit vraiment c'est la route qui est tombée avec, tu sais, le petit attrait plus touristique, là, puis ouais. Il est encore là. Oui, il se vient. Il tient. Le Belvedere. Oui, c'est ça. C'est dans la banque. Je suis content parce que là, ça reste plus un mystère, au moins ouais. C'est clair. C'est ça, pas loin d'un mois qu'on essaie d'avoir le fin fond du soir. On aurait pu commencer par ici. Ben oui, ça aurait été aujourd'hui. Mais c'est pour ça que quand vous m'avez appelé, je vous ai dit, tu sais, ça vaut vraiment la peine que vous veniez voir l'expo parce que ça met la table, tu sais, ça met les choses en place, puis les faits sont vérifiés et vérifiables. Dans le fond, tous les minéraux que vous voyez dans l'expo, c'est permanent, c'est devenu dans un complexe géologique qui est quand même super intéressant aussi. Il y aurait peut-être du potentiel économique. Mais il y avait tellement de la demande pour le chrysotile qu'on a laissé faire les autres. Est-ce qu'il y a des grottes qu'on peut visiter et qu'on voit les machins? Non, nous, en fait, l'extraction, elle était à ciel ouvert, donc des puits, comme vous allez pouvoir voir à l'observatoire ou de la lèche, ou de façon souterraine, là, où est-ce qu'on a la mine King. On avait la King, la Johnson, la Bell, là, qui était souterraine, ou trois. Ça, on peut rentrer. Grâce à nous l'an prochain, oui. Ouais, c'est ça qu'on veut. Oui, on vient de te faire, mais on veut qu'on découvre peut-être faire encore plus. Mais c'est toute une histoire. Hein. Ça fait 10 ans que... On ne pourra pas utiliser le tunnel qui est existant. Parce que normalement, où est-ce qu'on était, c'était submergé dans l'eau, puis les pompes devaient enlever l'eau en permanence pour pouvoir opérer les tunnels. On a découvert une place qu'on a plongé sous-marine, je pense qu'il y a Ben ça, c'est le puits à ciel ouvert. Dans le fond, vous avez deux systèmes. Là, qui font... Le premier, c'est à ciel ouvert qui fait des montagnes de résidus comme celui-là. Okay. Dans le fond, c'est comme dans un corridor qu'on fait. Je sais pas, mais j'essaie de voir, c'est où cette photo-là? J'aimerais que vous voulez avoir le point de vue d'un ancien mineur. Ah, pour vrai? Un petit cadeau. Tu veux me donner un petit cadeau? Ben oui. Là, j'ai mis un petit peu d'alliance là-dedans, ici. Là. Tu t'en faisais ça à quoi tu crois avec de la coffre? Ça, c'était la coffre. Ouais, ça, ici, c'est la serpentine. Ta mouillera, là. C'est, tu vois qu'elle vient bien ben verte. C'est pas des bouillots avec ça. Mm. Puis la serpentine, c'est elle, à haute température, qui a formé l'alliance. Waouh, ben merci. C'est gentil. De rien. Elle qui a chauffé, ça va aussi. Bien, merci beaucoup de votre temps, merci énormément. Ouais. C'est on devrait savoir où combien. On devrait savoir, c'est j'ai, sûr. J'ai un compte plus de soins où combien. Ah, c'est, on va en revenir, mais qu'on ait plus mais de temps. Mais c'est bien, ça va être l'année prochaine. Oui, c'est ça. Apocalypse and a pair that keeps us floating as we fly up.
choppers, choppers. Better cut those wrists, cold blood in my fists. We fire starters, starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that one. Never could toss. Look at my eyes, I'm on the rise. Rise. Salut gang! J'espère que vous allez bien. Nous avons terminé la visite de Thetford Mines. J'espère que vous avez adoré. Mais commentez si jamais vous voulez voir d'autres choses, si vous avez d'autres endroits que vous aimeriez voir. On veut vous, les brainstormers, qui vous nous le dites. Likez, abonnez-vous. Vous allez pouvoir voir les prochaines vidéos qu'on va mettre en place. T'as-tu quelque chose à dire, mon ami? Oui, Brain. T'as-tu quelque chose à rajouter, Storm? Oui, Brain. Ça a été vraiment un beau voyage, une belle expérience. On a découvert plein d'opportunités qu'il y a dans la ville de Thetford. Plein de belles places à découvrir, plein d'activités comme vous avez vu dans la vidéo. C'est vraiment incroyable. Mais il y a un petit côté mystérieux, un petit côté qu'on aimerait ça pouvoir développer plus. Mais ça fait déjà un mois qu'on est en projet ici. Puis on aimerait ça vraiment aller plus loin dans ce qui est arrivé à la route 112. Qu'est-ce qui est arrivé dans les mines, puis pourquoi qu'on n'y a pas accès. Parce que c'est vraiment quelque chose qui manque à Thetford, parce que si on pourrait avoir juste cette petite information-là, il me semble que notre voyage serait complet. Mais si vous avez aimé, bien, tant mieux, puis on espère vous revoir dans les prochaines vidéos. Fait qu'à bientôt! Quand ils ont creusé. C'est tout de l'amiante, toi? Non. Non, il y a la pierre stéatique. Mais c'est presque de l'amiante. C'est presque la même chose. C'est dans la même famille. C'est des menées, j'en reviens pas. Chicken Marie. Ah, c'est des menées. Chicken Marie. Pierre stéatique. Marie. Ah, Marie, ça va? Elle s'est fait une tente. Ça, c'est de l'amiante. Je charge les deux, je suis. Puis il amenait toute la pamphlet. Après ça, ben, ils ont dit, oh, là, il y a beaucoup de pierre à savon aussi. Fait qu'ils ont extrait la pierre à savon en bloc. Puis il y a un train qui s'emmène jusqu'ici. Tu as vu le chemin qui est surélevé que je vous ai montré tantôt, là? Ouais. Bon, ben le train, il navigue ici. Avant, la 112 n'existait pas. C'est vrai. Mais il y avait un chemin de fer, par exemple, qui reliait. Là, qui passait. La 112, ça fait à peu près 40 ans qu'elle existe. C'est vrai. C'est pas. Puis, c'est calme. Pour sauter des falaises, tu creux? Ben là-bas, c'est pas creux. Ouais, une quarantaine de pieds, à peu près. L'eau n'est pas si creux. Et ça, c'est plus creux. Dans le milieu, c'est creux, mais là, c'est pas creux. Okay, comme pas quand je dis creux, c'est à peu près 20-25 ans. Fait que pour le haut, là, on ne pourrait pas. Là. Non. Belle place. C'est quoi l'animal qui fait ouh, ouh. Un wow-wow. C'est une grenouille. C'est ça qui fait ça? Non, ben l'autre jour, on a pogné. Un oiseau, ben. Ouais. C'est quoi, ça marche? Une tourterelle. Une tourterelle triste. Qui est sur le bord d'un lac qui fait ça? Ah, un huard! Un huard, c'est ça! C'est ça, je cherchais l'autre jour. Ben, le son était. Ouais. Mais c'est quoi qu'il fait, un huard?